Non. Mais dans la grotte, on peut pas y retourner, non. Là, je vois un petit objet qui brille, je sais pas ce que Roche non. lisse. Ah oui! T'as vu? Non, non, mais je saute très très haut. Ça va être pratique, ça, pour... Oh, il y a le ver de terre normal. Chope-le, hein, vas-y. Drabi, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais. Faut vite que tu le chopes dès que tu peux. Genre, s'il y a un peu un autre ver de terre normal. Donc on peut voir les Pokémon des autres. Ouais, donc ça c'est bien. Ah bah là il y a le sorti. Il se cache. Faut que je m'éloigne. Je vais m'éloigner. Bon, j'ai eu. Terre de terre. On va commencer par un étonnement. D'ailleurs, chiant à choper. Ah oui, effectivement. Ouch. Ah, le anti-air qui a fait bobo, je vais lui faire nitro charge. J'espère que je vais pas le tuer. Ah bah il me l'attaque avant, ok. Un Il bouge Pokémon plus qui rien. évolue pas, fer de terre, dommage. D'où le fait qu'il soit dur à choper. L'impression que les. Tous les dominants, c'est des Pokémon qui peuvent pas évoluer. Possible, hein. Je lui ai renvoyé Christine, non? Le prochain Pokémon que je dois faire évoluer dans le Pokédex, c'est... Tournegrin avec le truc soleil, je pense. Par contre, t'as vu, Mais non. y a pas de ligne pour les starters. Ligne pour les starters. Bah au tout début t'as que le tien, t'as que le croco aussi, mais t'as pas l'autre, le chat. Bah oui, parce que c'est le numéro 1. Du coup je me demande ce qui se passe si tu l'as. Bah Où regarde est-ce toi. qu'il se met? Bah il se met en De numéro quoi? 1. Il se mettra en numéro 1, c'est juste que vu que je l'ai pas. J'ai pas vu en dessous du numéro 3, c'est comme si j'avais pas vu au-dessus d'un certain numéro, je peux pas voir jusqu'au Ok, numéro 400 par exemple. donc c'est ça s'affiche pas même en point d'interrogation. Ok. Ouais, Enfin, pour le après, c'est moment en tout bizarre cas. quand même. C'est bizarre C'est quand même juste que quand c'est les deux limites, en fait, quand c'est entre deux, du coup ça affiche pas d'interrogation. Mais quand j'ai pas le début ou la fin, ça apparaît pas. Ouais, c'est bizarre quand même qu'il nous l'affiche pas parce qu'on l'a vu. Donc. Bah j'ai vu le tien, mais après. Ah non, je l'ai Non, vu au puis même début, au oui. tout début. Tout début, c'est pour ça que je me dis, bon, c'est dommage. Parce que regarde le croco. Ah non, le croco, c'est vrai, c'est le. C'était l'adversaire. Il m'énerve, je vais lui faire éclatroc. Tant pis pour le Drabi. Il a disparu. Oh bah oui, tout ce que j'avais à faire. Il est fort le fer de terre. Mais c'est pas J'ai tapé un vrai. Pokémon, un Voltorb. Aïe. Pépépépépé. On va tricher, vite, Chronoball. Il va ressortir. Mais non. Pitisol, aïe.
Oh, on crie tout. Bah, du coup. Soleil, c'est bon, il est rentré. Il était très très chiant. Ah, il est plus long. Maril. Alors. Alors, je vais aller au centre Pokémon, là, me soigner. On vole? Ouais. Pareil. On a qui ensuite? On a le champion poison. Poison, ouais, de la team. Bon, ce qu'on peut faire, c'est du coup traverser. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est traverser de façon horizontale, en fait. Donc, on va traverser tout le canyon. Enfin, tout le désert, plutôt. Je vais piquer avant. Vas-y, moi aussi. Alors, est-ce qu'il y a des belles c'était? Ça c'est bien. Pour l'acheter. Alors. Bon. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je regarde les CT, là il y a une nouvelle CT, une nouvelle attaque. Déchirbaf. Cherba? C'est Ouais. la CC que le champion plante nous a donné. Ouais, je vais la truc, je vais la faire. En plus c'est le Pokémon, je crois que c'est Olivine en fait. Olivine, c'est l'évolution je crois. Quand tu regardes l'image. Parce que c'est un espèce d'arbre avec des olives, donc je me dis ça doit être son évolution. Oh le spoiler in-game. En plus, c'était au tout début, quand tu Ah voyais ouais. Pokémon, tu dis, Ah, qu'est-ce il que est c'est que stylé ce en vrai. truc? Ouais, c'est. Du coup, il est soit noir, soit vert en fonction de l'olive de base, je pense.
Non, mais... Je sais même pas si c'est une olive noire en fait de base. Si, c'est... Non. Non, tu parles dans le jeu? Ouais, dans le jeu. Ah oui, je crois. Je sais pas du tout. Bah, j'ai pas du tout vu ce qu'il me fallait par contre. Il me faut. Tac, tac, tac. Il me faut des. De chlorobulle. Ok. Tac, tac, tac. Il est où chlorobulle? C'est Olivini, nanana. Pomme. J'ai surf. Rio Pirouette. Chlorobule. Ça doit être assez puissant ce truc. Bah alors, Rio Chlorobule, je l'ai raté, il est au début. Un, deux, trois. Chlorobule, chlorobule, On n'a pas de chlorobule. chlorobulle. Ben, je regarde si c'est à gauche. Si ça m'est écrit, c'est que normalement je l'ai déjà chopé, quoi. Non, mais non. Chartor, Spring, Polymath, Rabil, Ixip, Arcane, Rabil, Caillon, Krabakar, Croquine, Dodoala, Littrell, Pico, Dauphin, Olivina, Ombre, qui fait des terres, Seraphel, Griboucren, Charbonbain, Terracole, Axoloto. Ben non, j'ai pas de. Misère. Ah non, mais c'est peut-être un dresseur. Mais. Ouais, parce que j'en ai zéro. Celle-là, faut que je la fasse. Bah les graines bof. Ne herbe. Non, non. Flemme de prendre ne herbe. Avalanche. Ouais. Dommage. Domate. Domate. Non mais c'est clair, genre, j'aurais bien voulu... Nouvelles attaques plantes, quoi. Ce qui manque dans la carte, c'est un endroit où notre dresseur pointe en fait. C'est dans quel sens il regarde. Et sur la petite carte en bas, on le voit, mais dès qu'on ouvre la grosse carte, on voit pas. On va aller à l'apparition massive de Furigno, non? Pour voir. En avant. Je t'ai déjà plus. Les Pokémon d'acier. S'il part, c'est que je l'ai pas battu. Tac. J'ai vu une voiture derrière faire. La Votomir, je sais pas quoi. Ah bah il en envoie une en plus. Vombri. Votomir. Je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais je l'ai sorti. La motobit? Votomir. La Votomir. Tobit. Tout de suite. Tout de suite. Franchement. Bah ouais. Tu connaissais déjà la faiblesse du type acier? Je viens de battre le dominant, donc oui. Attends, je vais faire ton glitch. Quand tu faisais déjà? Ah mais non, il n'y a plus besoin maintenant que j'ai le super saut. Ah oui. Waouh, je crois que je suis à l'apparition massive.
Moi j'y suis là. Non, en fait non, je suis à un autre truc, mais il y en avait plein là où j'étais. Nitro charge. Il y a une apparition ici. Ok. Donc, j'imagine qu'il y a plus de chances d'avoir un shiny là-dedans. Il m'a fait cruel, ça fait super mal. Il m'a fait un coup critique. Oh non, flamant rose. Mais non, je me suis... Flamant rouge. Il n'arrivait pas à prendre la fuite. C'est drôle ça. Ah. Et type combat. Vu comment il tient sa patte, on dirait. Hein. J'ai fait cru. Marie l'évolue. On a Aqualapin. Non plus, je l'ai pas battu. Et Nora, l'étudiante, elle envoie une fleur. Choc venin. Il n'y a pas une façon spéciale de faire évoluer... J'allais dire Britney. Parce que Vorastery, je crois. Vorastery, non. Danse fleur. Il est en train de me rétamer. Ah mais il est confus, bah oui, t'as fait deux danse fleurs. Oh, quel au croque. J'en ai un. Oh. Mais en fait, on devrait retourner à... Là où il y avait le dominant pour la première fois, parce qu'on n'est pas du tout allé à la troupe. Ah ouais. Oh. C'est sur le chemin. Lumino canon. Dauphin. Éclat magique. Ah mais elle a trois Pokémon la madame. Ouais, fermeté. Ton Pokémon il fait vraiment des pas de danse. Mais oui, et en plus avec la musique ça, très bien. En plus, il fait tac tac tac, hop, pied. Une petite tête d'ampoule qui est paumée derrière, elle a l'air perdue et tout.
Oh non, Mascadra. Oh, le pire Pokémon. Parasport. Oh non, mais voilà, tu vois, je te l'ai dit que c'était le pire Pokémon. Éclat magique. Tranchère. Corp. Je sais pas ce qui m'a pris d'affronter cette dresseuse. On se prend toujours les mauvaises décisions. Oh, comme la fois où tu t'es abonné. De quoi? Je résilie mon abonnement, tu vas voir. Oui. Prendre combien de temps la partie ici, il est dur. Pas ça. Je sais pas si c'est une paragame sweet comme dirait Alex. Une PGW. Bon. Après m'avoir détruit, je l'ai détruit. Mais on va quand même soigner nos Pokémon. Je me demande du coup si en anglais ils disent Wagomin. Wagomin. Wagomine. Wagomine. Ils disent pas le V, je pense. Bien en faire une trentaine que j'ai mis. Pierre soleil, ok. Moi, je crois que je suis dans la zone des furéglons là. Ouais. Fin de toi. Moi, je te vois là-bas. Fatal. Fatal joue à Pokémon Violette. Oh regarde, il est shiny, il est tout bleu. Hein. Il y aura quand il y aura un vrai shiny. À moi le malin.
Je me demande si on bat les Pokémon comme ça, est-ce que ses IV augmentent. Enfin, ses EV, pardon, augmentent. Alors là. Mais. Ouais, les objets, s'il n'y a pas les objets des évolutions. Quand on bat un trio picker, ça donne des objets de topiqueur. C'est ça, ouais, donc ça va être que la truc de base. Ma projection massive elle doit être temporaire. Elle peut être est temporaire dans le temps, pas dans le nombre d'ennemis. Sûrement. Vu l'élimination de masse là que je fais. Ils apparaissent moins que, enfin moins, si moins. Mais non, mais je voulais pas l'affronter, j'étais vachement loin de lui. Vous avez quitté le logiciel car une erreur est survenue. J'espère que t'as sauvegardé. Non. Alors j'espère que ça a sauvegardé pour toi. J'ai pas activé les sauvegardes auto. Va falloir voir. Le mode en ligne ça sauvegarde ou pas. Voilà, ça commence, le jeu qui crache. Parce que Fatal a commencé son jeu. Oh non, j'ai la haine. Je crois que je vais réactiver les sauvegardes auto. Hein. En vrai, les sauvegardes auto, c'est pour les shiny, je crois, ou... Je sais pas pourquoi ils veulent qu'on les en... Ou au cas où, on se retrouve bloqué dans un coin, mais... Maintenant qu'on a la monture, en vrai... C'est moche. Il n'y a pas que le starter de type... Bassine. Heureux. J'ai un intrus dans la chambre.
de type chat. De type chat. Ouais. C'est que de type pizza qui m'a. De type pizza. Alors, où est-ce que j'ai... Ok, j'ai encore spawn. Je trouve ça un peu bête, vraiment, le spawn bizarre. Hein. C'est totalement au hasard. Il y a une ville dans, en bas d'où on est là. Ouais. Je... Bah c'est la ville où on peut avoir l'objet pour faire Pokémon. Évoluer notre petit Pokémon là, Charmander. C'est dans cette ville là. Mais bon, faut déjà trouver l'objet. Oh non, t'as le pire Pokémon là. Mascadra. Oh, juste éboué. Insecte vol. Du coup, il craint quoi comme attaque? Mascadra? Ouais, le sol. Le type vol. Même s'il est type vol? Ah ouais. Il a le type feu aussi. Mais c'est vrai qu'il est plus haut. Tu permets. Le boss qui est tagué. Ouais. Tu veux, madame. Les étudiants qui ont plus de 40 pieds, je pense. Elle est très vieille, la mamie. Hein. On fait le boss ou on va en ville? Je sais pas, hein. J'ai quand même une douzaine de niveaux à rattraper, hein. C'est vrai que le boss, il va peut-être être un peu dur pour toi. Hein. Toi, t'as déjà ton Pokémon évolué, pas moi. Hein. C'est vrai. C'est pas grave, t'as garde-voir, tu vas tout défoncer. C'est vrai. C'est vrai. Parle à lui-même, lui-même. Mais il est chiant, là, son Rongo gris. Bah oui, t'as que des Pokémon qui tapent sur le... Non, j'ai morsure. Ouais. J'ai vraiment peur pour les starters, pour les Pokémon qui sont fuyards. Les Pokémon qui fuient le sol et tout. Un shiny. Un monumental kata. Mais grave. Moi je sais pourquoi mon chat il est là avec moi. C'est pas parce qu'il m'aime. Hein. J'ai amené de la bouffe. Ah voilà. Ah là là. J'ai un raid dévoli. J'essaie de le tuer, hein. Mais non, mais je suis paralysé, mais... Puis le mec il fait réserve. Ah je vais ça ah ça met et du coup il booste toute sa défense et tout. Eh ça me. Wouhouhou. Ah j'ai activé la cinématique sans le vouloir. Mais de... j'aime bien le sans le vouloir alors que t'es en train de jouer avec le feu en tournant autour. Je pensais pas que ça allait l'activer ici moi. Bah j'arrive, je tue la madame, j'arrive. Bon vas-y lance en continu. Non, je vais me chercher à bouffer. Hmm.
Elle est trop bien cette musique. De toute façon, Matt, il sert à rien. Alors, petit viewer Frank Yuka. Je vous prierai de vous taire. D'accord avec ce que le paradis. Non. Bah j'entends pas ce que tu dis. Moi non plus. Hop là, vas-y, tu peux te défendre. Non. Non. C'est bon. On peut continuer. Je suis là. Et au monsieur ? Ouais. Vieux pote. Bon vieux pote. Hey poteau. No joke, j'ai déjà fait ça à quelqu'un et ça a marché. De quoi? Hey poteau. Non mais genre de dire que j'étais un ancien ami machin alors qu'on se connaissait absolument pas du tout. Et la personne bah elle y a cru. Du coup, comme ça, j'ai pu démasquer que c'était une personne qui s'inventait une vie. En plus, elle a vraiment poussé le cliché à fond. Parce qu'il a un short, alors que nous, ce vêtement-là, il n'a pas de short. En fait, ils nous ont TP super loin. Mais wesh. Mais attends, je me rends des beaux temps de Pokémon, hein. Pourquoi on... Mais oui, pourquoi ils nous ont mis là? Mais wesh. Peut-être parce qu'on est censé d'arriver du haut. Je sais pas. Oh. Mais moi, j'étais sur... J'étais à l'entrée, quoi, entre la... Oui, oui, moi aussi. Non, mais je me suis retépé au centre Pokémon, et du coup, je vais retourner à la vraie entrée. Toi, t'es en train de manger une pizza. Non. Non. Je suis en train de la découper et de galérer parce que j'ai pris un couteau de merde. Oh, ici, ça va ramer. À la forêt avec plein d'effets. C'est la vraie entrée. Mais non, mais c'est surtout qu'on est arrivé dans la forêt, il nous a fait le machin bien avant qu'on arrive devant l'entrée, quoi. Moi, j'étais là-dessus. Ouais, t'étais sur les rochers, à côté des drapeaux. Bah, TP là. Moi, j'étais là où je suis sur la map, et ça m'a TP là où t'étais. Ah, y'a le Pokémon des ténèbres, là. Oh, y'a Morpheo. Ah non, c'est Dodoa, là. Yeah.
Oh, c'est dur d'être puissant. On se demande comment t'as fait. Bah, tu me dis quand t'es là. Hein. Je t'ai dit, je m'étais TP à l'entrée pour un peu chasser les Pokémon. Bonjour, Nathan. Attends, t'inquiète, je suis en train de tricher, je rattrape mes niveaux de retard. Merci les bonbons XP. Alors, est-ce que c'est worth d'utiliser plein de plumes sur les Pokémon? Ok, du coup, utiliser les bonnes plumes, quoi. Il y a des plumes qui... Oui, non, enfin... Alors, pour ton Pokémon, c'est les plumes attaque, quoi. Attaque, vitesse. Oui, mais c'est sûr, par exemple, sur mon Tarsal, je vais éviter de faire attaque... Ah, voilà. Enfin, sur mon Gardevoir, ça sert à rien, tu vois. Faut lui faire des plumes attaque spéciales. Non, par contre, j'ai mis beaucoup de plumes vitesse, parce que, ben, c'est un Pokémon qui est lent, de base. Ouah, il y a des nouveaux Pokémon. C'est le Pokémon qui fait des tags. Tu vois tout ce qui est les tags sur les arbres et tout là? Bah, c'est un Pokémon qui a fait tout ça. Ouais, d'accord. Et il est dans la forêt. Bon, je pense qu'on on le fera juste après. On va faire la Madame Poison. Erio Sensei. Ta prof carrément. Enfin c'est une prof ou un prof? Non. Birsan, non mais c'est un japonais lui. On a joué aux jeux vidéo toute la nuit, les autres peuvent être encore en train de pioncer. C'est un japonais, il s'appelle Chester. Du coup, on l'affronte. Tu sais que plus ça va et plus ça me renforce l'idée de leur but. Mimpo. C'est raciste. Surtout qu'en plus, mais oui, mais il est. Ils auraient pu faire un vrai asiatique, quoi. Ça me fait penser comme c'est juste un fan. Oui, comme dans One Piece où ouais. elle dit Raiden. GG fatal. J'ai réussi à Reine Glace enfin. Espèce de merde, pardon. Ah, c'est son évolution qui lui dessine. C'est pas trop tôt. Oui, c'est son évolution qui. C'est ça de rusher et de faire. Non, je rigole, c'est parce qu'il a une team dragon. Ah là là. Vous avez battu Chester. Manchester United. Un ninja vaincu doit savoir disparaître en silence. Mais. Vraiment, c'est... ouais, franchement, je sais pas quand est-ce qu'ils vont dire leur pourquoi ils font ça, mais.
Un complice. Mon pote. Moshi moshi. Oh. Le gars a créé les costumes de la Teamstar. Allez. Voulez-vous baisser? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est fort contre le type poison? Le psy, le sol, l'acier. Enfin, l'acier résiste. On est parti comme ça, mais en fait, on est parti ensemble comme ça, mais on n'a pas changé nos trois premiers Pokémon. Bon, c'est pas grave, j'ai quart de voir, elle va tout faire. Psy, acier. Baston! Pokémon Warrior, c'est battu! Waouh, il y a l'évolution. Oh, salade! En fait, c'est toutes les herbes. C'est ça? Ah, c'est l'évolution de l'amphibie là? Ou... Ah non, c'est de Axoloto. Ah, Chupacabra! Ah, c'est son évolution en ligne, ok. Et j'ai pas envoyé mon Pokémon sur. Ah oui, il est mort. Il y a un Pokémon qui est mort aussi. Mais normal, type feu. Je trouve ça bête qu'au début ils disent faut qu'on change nos trois premiers Pokémon. Et qu'il faut pas un truc de sélection quoi. Ah! J'ai le serpent de Jesse. Serpent. Non, c'est Viper, pardon. C'est Viper. Ah, il y a le Pokémon Champignon. Que j'ai plus jamais revu depuis XY en fait. Attaque. Tiens. Britney aussi, elle va mourir. Hein. C'est Tarfette qui va tout faire. Enfin, Tarsal, garde-voir. Bah ouais, il me reste plus que garde-voir. Toi aussi, non? Ah ouais, mais moi c'est bon. Ouais. Il te reste qu'un Pokémon. Moi, il m'en reste encore un peu à combattre. Mais non, lui aussi il a une manie. N'importe quoi, toi. Me dis pas qu'on va à chaque fois affronter la bagnole. Ouais, c'est con si c'est ça à chaque fois. Waouh. Waouh. Allez. Oh, le temps de chargement. Je vais enfin terminer. Il est long, hein. C'est la même musique au fait. On va voir. Eh ben. Ah, c'est parce que lui se prend pour un ninja, c'est pour ça qu'il est l'autre. Ouais, c'est la même musique. Tant mieux, c'est la même musique, elle est géniale. Allez, on va affronter Dark Sasuke. Totalement sans vrai. Allez.
Mais en fait, la musique, là, j'ai l'impression que la musique, elle est canon, tu sais, dans le jeu. Genre, elle sort de la bagnole, en fait. Genre, même les persos l'entendent, tu vois. J'avoue. Bah oui, du coup, j'ai même pas mon plénitude. J'ai pas du tout envie de pleurer. J'en connais qui auraient ragé hein, à ma place. Ouais, franchement. Genre toi. Ouais, franchement. T'aurais quitté le jeu. Moi, j'aurais quitté, j'aurais refait un off et... Tranquillement. Ce que j'aime pas, c'est vous proposer deux fois la même chose, en fait. C'est pour ça que j'aime pas quand je perds dans un jeu, c'est que je dois répéter la même chose encore une fois, tu vois. C'est là où le montage entre en scène. Mais pendant un live, c'est chiant, quoi. Mais c'est pas possible. Tout ça parce que j'ai mes niveaux en moins. Mais les musiques du jeu, elles sont géniales. Hein. Je vais dire exactement la même chose que Genshin, en fait. Les musiques, tout est bien, mais les créateurs se foutent de notre gueule. Pour une chose, et les graphismes. Genshin, c'est pas les graphismes, hein. Genshin, c'est beau, les graphismes. Et c'est pour le truc communautaire, Genshin. C'est le moment d'utiliser second souffle. Et là, ça tue ton Pokémon, c'est bon. À l'attaque. Oh, bah, je suis mort. Piétisol sur mon Pokémon électrique. Du coup, une voiture, elle a piétisol. Je savais pas qu'une voiture, ça avait des pieds. Ouais, et on doit battre la grosse voiture au final. J'espère qu'elle a pas son dash de feu, hein. Ouais, on va avoir un truc de poison. Mais ça veut dire que... Et vu qu'elle est type acier, ton psycho va pas lui faire grand chose. Mais oui... Bah avec la magique... Ah non, elle attend son truc de feu. Ah, son truc de feu. Est-ce qu'elle gagne de la vitesse? Ouais. Oh putain. C'est bon, c'est le pire boss. Hein. Admire son œuvre. Aïe. Mais elle a 4 Pokémon encore. Enfin, elle en a 4 au total. Je suis au deuxième. Je suis en train de mourir. Non mais je peux pas, mais oui j'ai perdu tous les niveaux que j'avais. Ah. Et il a l'attaque dépôt toxique, ce qui fait que quand tu le touches, ça pose des éclats, des picots de glace. De poison. Et du coup si tu changes de Pokémon, et bien il est directement empoisonné. Toujours plus. Mais non.
Ah non, il a la même attaque mais en poison en plus. C'est une blague. En plus j'ai perdu ma terre à cristallisation vu qu'il m'a one shot mon quart de voix. Oh. Ben voilà, non mais c'est bon, je... j'ai limite envie de quitter là. T'as sauvegardé avant? Non. Mais j'ai perdu là. Ouais, moi... J'attendrai. Hein. On donne tous les bonbons que t'as. Mais j'en ai plus. Bon, on fait des raids. Allez, elle est morte, elle aussi. Parce qu'il est plus rapide, forcément, vu qu'il fait des attaques où il est beaucoup plus rapide. Mmh. Donc il attaque en premier, donc il one-shot tous mes Pokémon. Pétisol. Voilà, j'ai perdu. Ils sont tous morts, parce que tous mes Pokémon craignent le sol. J'ai aucun Pokémon qui ne craint pas le sol. Et s'il craint pas le sol, il craint le poison. Je trouve ça absurde. Non mais je vais aller XP hein. Oui. J'ai toute une zone d'XP en moins que tu as, donc... Un signe poison. Ouais bah c'est clairement... Tu regardes mon truc ou pas? Ouais ouais, oui et non. Oui non. Je lis pas, j'ai pas du tout lu. Hein. Et en gros ce qu'il dit c'est que la... en fait son big boss de la team il veut pas sortir et tout de chez lui. Clairement Cassiopée je pense. Par peur des interactions sociales. Mais toi tu sais qui c'est? Non. Tu connais juste leur but? Oui. Enfin, pourquoi la team existe, en fait? C'est tout ce que je sais. Mmh. C'est débile, hein, mais... Vestix, tu peux déjà... Il y a bien le ténèbre, il y a le spectre qui est super efficace sur eux. Tu peux avoir une idée en disant... comment ça s'appelle? C'est des gens qui sont censés faire partie, sans le sait, de l'académie. Mmh. Comme on voit le petit enfant, là. Mais t'as vu qu'ils sont en général un peu différents, genre... Oui, ils ont tous des trucs différents. Lui, ninja, l'autre, elle était trop belle, donc elle était... ils étaient tous harcelés, en fait. Tous un peu différents, et en général, quand t'es différent à l'école, qu'est-ce qui se passe? Harcèlement. Voilà, donc maintenant, je laisse faire les liens. Voilà, c'est ce qu'il a dit, le fils aussi, il a dit, c'est grâce à la Team Star qu'on est plus harcelé à l'école. Bah ouais, bah voilà. C'est une team de gens... qui se faisaient harceler et qui ont fait ben on en a marre, du coup on va harceler les autres. Tout simplement. D'où le fait qu'au tout début ils voulaient récupérer la petite fille. Enfin la fille là, la meuf qui était un peu timide. Mmh.
Parce que c'est le cliché type de, d'une fille qui se fait victimiser. Je suis en train d'essayer de choper fer de terre. J'ai déjà gâché deux hyperboles. Voilà, c'est elle, là, la meuf. Hein. Ouais. Cheveux bleu. Bleu. Bleu rouge. Le Pokémon légendaire qui vient la faire chier. Moi, je veux les mêmes lunettes. Ben voilà, elle dit la exactement la même chose. Elle aurait été victime de harcèlement. Je sais pas trop quoi faire du coup. Entre XP et tout? Bah ouais, parce que bon. Sinon, on se fait des raids et puis on gagne des bonbons et puis voilà. Mais après, en soi, même en XP, je serais quand même en déséquilibre. C'est vrai que c'est un type acier, donc... C'est un type acier, un type poison, un type sol. C'est toute ma faiblesse.